aujourd'hui, donc, un concessionnaire, Alain Mounès, groupe familial, vous les connaissez tous, dans le grand sud-ouest de la France, qui vient nous faire le plaisir de nous faire partager son expérience sur l'optimisation des charges, des taxes et tout ce qui intéresse la gestion de vos entreprises. Un deuxième concessionnaire, Olivier Varlet. Alors, il s'est présenté un peu comme un dinosaure de l'automobile Peugeot, je crois, un quart de siècle dans la marque. Et une dizaine d'années sur ses fonctions actuelles, il est directeur général du groupe Gautier, également dans le Grand Sud-Est. Deux intervenants, en fait, c'est. Excusez-moi, je n'avais pas la présentation de la deuxième personne. Donc, c'est la société, le groupement Euclid, société Euclid, qui va venir un peu nous présenter leur métier. C'est d'ailleurs eux qui vont un peu commencer. Ce sont des spécialistes d'optimisation d'un certain nombre de postes. Ils ont travaillé avec certains membres du réseau. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder ce sujet. Certains groupes ont déjà travaillé sur ces charges, ces taxes, d'autres pas. Donc, ils sont venus à deux avec, excusez-moi, qui vient nous apporter sa vision juridique, spécialiste, fiscaliste. Donc là, on a, j'allais dire, du lourd sur scène et vraiment des spécialistes de toutes ces optimisations. Donc, je vais passer la parole à Euclide, qui va nous faire une présentation de ce qu'est le métier. Alors, ce sont spécialistes de l'optimisation des frais généraux, c'est un peu large. À vous de nous en dire plus. Oui, bonjour à tous. Donc Ludovic Le Tellier. Donc je suis associé moi du réseau Euclid. C'est un réseau où on est 25 associés à travers la France. Nous travaillons principalement dans le conseil opérationnel et dans l'optimisation des coûts dans les entreprises. Alors, quand on parle de coûts dans les entreprises, c'est l'ensemble, on va dire, des charges externes, des charges sociales, des taxes et des charges financières. On a à peu près 400 clients en France et on a 20 ans d'expérience. Auparavant, on s'appelait sur une autre enseigne, mais depuis 2-3 ans, on est sous le nom d'Euclid. Donc moi, Ludovic Le Tellier, je suis expert on va dire, en frais bancaires. J'ai travaillé 20 ans dans la banque. Auprès des entreprises, nous travaillons les frais bancaires et les charges financières tout en conservant en fait une relation bancaire, mais je pense qu'on en reparlera par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Tristan Le Squezec, qui est partenaire en fait d'Euclid en tant qu'en droit fiscal et qui est avocat fiscaliste. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je m'occupe plus spécifiquement de la partie taxe, donc en tant que spécialiste en droit fiscal. On est dans notre cabinet partenaire d'Euclid pour essayer donc de réduire autant que faire se peut les charges fiscales. Alors lesquelles? On parle la plupart du temps de la taxe foncière. On parle également de choses plus spécifiques et que vous connaissez tous malheureusement, de la taxe sur les surfaces commerciales. Nous parlons aussi de la taxe locale sur la publicité extérieure. Et puis ce qui va avec la taxe foncière, malheureusement, la CFE. Et aussi, on parle de CVAE. Tous ces sigles, vous les connaissez pour les payer chaque année, malheureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la taxe foncière, alors ceux qui l'ont fait le savent déjà, c'est une taxe qui est extrêmement obscure dans son calcul et dans sa détermination, contrairement à l'impôt sur les sociétés que vous calculez vous-même. La taxe foncière est établie par l'administration fiscale, sans que vous n'ayez jamais compris d'ailleurs pourquoi la base était celle-ci. Certains d'entre vous ont sûrement fait des comparaisons d'ailleurs avec les uns et les autres et ont pu se rendre compte que cette taxe était erratique. D'ailleurs, pour vos entreprises comme pour vos biens particuliers, hein, pourquoi moi je paye 2000 euros par an sur mon appartement alors que mon voisin en paye 4000 ou 500, c'est toujours très étrange. Et donc notre travail consiste à aller chercher en fait l'explication, parce qu'il y en a une,
quand même, c'est très compliqué parce que la plupart du temps, on remonte sur des comparaisons qui datent des années 70, donc il faut aller chercher l'information, ce qui n'est déjà pas évident. Et la plupart du temps aussi, ces données sont, si vous voulez, largement obsolètes. Il a pu se passer tellement de choses depuis que, en fait, c'est les tarifications qui sont appliquées sont fausses. L'administration fait des erreurs de calcul dans tous les sens. Bref, il y a là une source de réduction de la charge qui est souvent relativement importante. Et comme ça a en plus un effet, si vous voulez, sur la CFE directe, on arrive à récupérer comme ça un certain nombre de montants qui sont en plus donc remboursés par l'administration fiscale hein, quand vous faites les réclamations qui vont bien. Sur le plan de la trésorerie, si vous voulez, c'est directement dans la caisse. Alors ça prend un petit peu de temps quand même de monter les dossiers parce que ça nécessite quand même pas mal de travail. On travaille aussi sur le métrage puisque la plupart du temps vos entreprises sont la base d'imposition si vous voulez calculer par rapport au nombre de mètres carrés. Le métrage a parfois été pas correctement fait, a été modifié. Et de la même manière, si vous voulez, là, ça a un autre impact sur la taxe sur la surface commerciale, qui, elle aussi, est soumise et basée pardon, sur les surfaces. Donc, il y a un vrai intérêt, là, si vous voulez, à revoir un peu les plans, les métrages et tout cet ensemble. On peut remonter sur l'année en cours et l'année précédente, mais l'avantage, si vous voulez, de cette opération, c'est que ça diminue les bases d'imposition pour toutes les années futures. Parce que l'administration ne s'embête pas, hein, une fois qu'elle a sa valeur locative, elle la repasse d'année en année avec quelques petites augmentations. Donc une fois que vous avez fait la modification une fois, ça joue sur un an, deux ans, puis sur toutes les années, à venir. À peu près le fonctionnement de ce qu'on fait en matière donc, de taxes locales. Alors, j'aimerais bien poser directement la question à nos deux concessionnaires qui ont, je crois, déjà travaillé sur ces optimisations. Parce que quand on a travaillé sur la préparation de cette convention, je me suis dit, OK, on peut gagner de l'argent, mais est-ce qu'il y a des rattrapages fiscaux, il y a des contrôles fiscaux? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça s'est bien passé dans vos affaires? Je vais commencer. On n'a pas eu de contrôles fiscaux en aval de l'intervention de CLID. La première chose que je voudrais dire, c'est que on a toujours l'impression de faire les choses le mieux possible dans nos affaires, mais il faut avoir quand même un peu d'humilité. Moi, je suis très versé gestion, et je pensais avoir réglé la machine au millimètre, mais en fait, il faut quand même avouer qu'il y a des spécialistes qui sont un peu plus forts que nous dans les domaines très précis. En ce qui me concerne, on a fait intervenir Euclid sur les coûts de transport, sur les taxes foncières, sur le social aussi. Est-ce que, comment dirais-je, on appliquait bien les réductions Fillon aux petits oignons ou la taxe transport sur les charges sociales, ce genre de trucs. Donc on s'aperçoit qu'on gagne. Sur la taxe foncière, effectivement, on a toujours en arrière-pensée l'idée de se dire... Est-ce que ça ne va pas éveiller l'attention de l'administration sur telle ou telle taxe? Mon voisin parlait de mètres carrés. Souvent, les mètres carrés, on en retrouve en plus hein, de ce qui a été déclaré initialement, parce qu'on fait toujours des petites extensions qui ne sont pas toujours bien déclarées ou bien prises en compte par l'administration, donc c'est un peu dangereux. J'ai appris des choses, j'ai cru comprendre que pour fixer une valeur locative d'un bâtiment d'un certain type de commerce, l'administration avait pris un bâtiment dans une ville et comment dirais-je, c'est ce bâtiment-là qui servait de référence. On s'est aperçu, nous, je ne sais plus si c'est sur Nîmes ou sur Alès, qu'en fait, le bâtiment qui servait de référence à l'administration était l'ancienne concession Peugeot, qu'on n'utilisait plus depuis des années, ce qui donne quand même une idée de la pertinence de leur valeur locative. Quoi. C'est assez amusant. Au final, on a gagné quand même, de mémoire, je crois que c'est 8000 euros sur notre taxe foncière. C'était juste avant l'application de la CFE, donc forcément, on l'a retrouvé derrière,
sur un des sites, sur l'autre, on n'a pas été jusqu'au bout parce que il y avait un doute sur le, comment dirais-je, qui aurait pu être, avoir un impact négatif sur notre taxe. Au niveau des transports, on a gagné à peu près 8% de coûts de transport. Et là aussi, je pense que dans un, comment dirais-je, ça nous apprend aussi à aller dans le détail des choses. Nos contrats de transport n'étaient pas forcément tout à fait optimisés. Il y a tout un tas de trucs sur lesquels on ne s'appesantit pas forcément, mais quel est le poids de votre propre chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires global du transporteur, et du coup, quelle est votre responsabilité en termes sociaux si jamais on sort d'un contrat un peu brutalement, etc. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on ne s'appesantit pas forcément au départ, mais il y a un certain nombre de risques. Donc il y a les spécialistes de chaque domaine de CLID de mettre le point là où il faut. Quoi. Et puis après, il y a un petit partage d'économie avec ces messieurs. Et sur le long terme, effectivement, la taxe foncière, par exemple, ça dure des années. Ouais. Alors Alain, je crois que tu as aussi travaillé sur ces sujets dans ton groupe. Peut-être sur un périmètre différent. Oui, donc Didier, tu m'as sollicité pour raconter une histoire. Donc je me suis dit, à monter à Paris, tu vas raconter deux. Je ne sais pas si vous les trouverez bonnes, mais je pense qu'à l'écoute des résultats, vous verrez que les résultats sont bons. Nous avons mené deux missions qui sont de type différent, une mission dite de succès et une mission dite de forfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, auparavant, nous avions été l'objet de sollicitations de ces fameux cabinets de chasseurs de coups, et nous avions toujours répondu par la négative. Nous n'étions pas d'accord avec leur principe qui était payer pour voir, c'est-à-dire il fallait payer à la signature du contrat et voir après peut-être quelques résultats qu'il faudrait partager avec, bien sûr, le cabinet. Et puis un jour est arrivé un cabinet qui ne nous a pas fait payer pour voir, avec qui on a négocié, bien sûr, des honoraires. Dans le cas de la mission de succès, ces honoraires étaient de 40%. Ça peut être un peu ronflant comme chiffre. C'était 40% sur les énergies, sur les économies, pardon, dégagées sur la durée de la mission, 2011-2013, avec la particularité d'avoir, sur les 12 mois qui suivaient la fin de cette mission, sur les charges sociales et fiscales assises sur les salaires, 40% aussi d'appliquer. Alors, vous allez voir en termes de chiffres ce que ça a rapporté et ce que ça a coûté. Nous sommes donc lancés dans cette mission avec un cabinet qui s'appelle DL Développement. Et après, la seconde mission, qui est la mission de type forfait, c'est avec une de leurs filiales qui s'appelle AC.org. Donc, dans la première mission de type succès, on a étudié tout un tas de petites bêtes qui sont sympathiques, qui s'appellent CET, C3S, l'ex organique, taxe foncière, taxe d'urbanisme, charges sociales, versement de transport, cotisation accident du travail, crédit d'impôt, TASCOM et autres. Les résultats sont les suivants. Nous avons, sur ces trois années, dégagé une économie de 91 500 euros. Notre groupe pèse 2500 voitures neuves et on fait 90 millions de chiffres d'affaires. Et ces fameux 40% représentent 36 000 euros, donc gain de la mission 55 000 euros sur trois ans. Avec la particularité d'avoir des économies récurrentes, puisque, comme le disait monsieur, une fois que l'administration a recalé à la baisse, c'est plus sympathique, certaines bases de taxation, après ça dure dans le temps. Et donc le gain récurrent annuel est de 30 500 euros dont nous bénéficions depuis la fin de cette mission. La deuxième mission est une mission de type forfait qui est plus récente. Elle a débuté en décembre 2014 pour se finir en juillet. Et là, nous avons dit à un ancien directeur assez haut niveau d'une banque qui, pour des raisons personnelles, s'était lancé précédemment dans la création de ce cabinet et qui maintenant étendait son registre de mission, nous lui avons confié tout ce qui était conditions bancaires et renégociation des prêts. Donc, ça s'est passé sur cette période, à peu près 7 mois. Les gains sont, concernant renégociation de deux prêts sur les SCI de notre groupe, 92 000 euros. Alors, soit on était très très naïf au moment de la signature de ces prêts et qu'on n'y comprenait pas grand-chose,
Mais enfin, les réponses que nous avions à nos sollicitations auprès de ces banques avec qui on avait signé ces prêts pour les SCI, c'était écoutez, non, c'est difficile, non, c'est pas le moment. Bon, sur cette mission concernant la banque, juste avant, on s'était mis d'accord avec le banquier, l'ex-banquier, qui nous avait dit comment voulez-vous procéder ? Est-ce que c'est vous et votre frère qui allez au front ou est-ce que c'est moi qui y vais ? Bon, on a développé les deux scénarios et on a retenu le scénario de le laisser aller seul. On lui a dit, écoutez, comme on est a priori, on se veut être plutôt gentil que méchant, allez-y gentiment. Notre groupe est récent, puisque la première acquisition remonte à 1974, ça fait 40, 41 ans, et on a plutôt un relationnel de type gentil que agressif. Donc il nous a écoutés, il nous a dit, écoutez, vous allez être l'objet de sollicitations de banquiers qui vont vouloir vous inviter à manger, vont vouloir savoir ce qui se passe, mais... Répondez par la négative et laissez-moi piloter. On est parti là-dessus. Ça s'est très bien passé, ça a pris un peu de temps parce qu'il y est allé de façon plutôt douce, en prenant des contacts, en appelant, en se faisant rappeler. Donc voilà pourquoi la durée de la mission. Sur les SCI, donc renégociation de prêts 92 000 euros, donc ça c'est du one shot. Et sur les SAS, nous sommes à 20 000 euros. Ça fait 102 600 euros. Le prix de la mission négociée était de 9 400 euros. Donc, les chiffres sont plutôt sympathiques. Et économie sur les SAS récurrentes, 20 000 euros par an. Alors, 20 000 euros par an, c'est quoi ? C'est des choses qui sont parfois un peu nébuleuses, des éléments que nous avons découverts. Et là, les banquiers font preuve d'une ingéniosité sans limite. Il y a des frais de tenue de compte, il y a des dates de valeur de remise et des billets de chèque, il y a des frais de virement, il y a des locations de TPE, commission, taux d'intérêt débiteur, commission de découvert, frais d'études de dossier, frais internet, frais de remise des faits, frais d'actualisation de frais administratifs. Nous sommes passés à 1 090 euros par an et par site, nous en avons 3 à 220 euros par an pour le groupe. Nous ignorons, certes parce qu'on n'allait pas y plonger notre nez dedans, quoique ces libellés n'apparaissent pas comme ça. Ça apparaît bien sûr sur des relevés, mais c'est pas aussi clair. Dans tous les cas, peut-être aussi qu'on avait été un petit peu loin de ce type de gestion pendant un certain temps. Frais de virement, c'est pas. Abonnement, télétransmission, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, les chiffres, vous les avez entendus. Après, on a mis en place une stratégie dictée par le banquier qui nous a dit ça vaut ce que ça vaut, mais on a décidé de le pratiquer. Mise en place d'une hiérarchie de chaque banque et définition de leur rôle à revoir tous les 6 mois. Hiérarchie, c'est-à-dire à qui on donne... plus, à qui on donne moins, tous les 6 mois, est-ce qu'on actualise, est-ce qu'on veut changer, est-ce qu'on voyait un message en faisant la grève et des remises, on va voir s'ils sont réactifs, s'ils bougent, s'ils ne bougent pas, s'ils ont vu qu'on ne remettait plus. Suivi mensuel de la répartition des flux, faire moins de virements et plus de chèques, ça nous a étonné. Statistiquement, 2 chèques sur 10 sont mis à l'encaissement 3 semaines après la date d'émission et d'expédition. Alors que nous, bêtement, on s'est dit un virement, c'est plus simple, ça va plus vite. Certes, il y a quelques petits frais qu'on a renégociés d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Bon, il faut simplement que les 2 chèques sur 10 soient ceux qui sont remis dans les 3 semaines. Après, il y a le coût quand même du salarié qui doit faire le chèque. Et c'est sûr. Il doit faire la... Alors, je vais donner 2 minutes la parole à la Défense. Puisque... Si, parce que c'est, nous avons sur scène un banquier qui a mal tourné. Vous avez vu que Télé est spécialiste, c'est un ancien banquier. Et c'est un sujet qui va vous allez débattre de sujet d'optimisation et bancaire. Dernier point, et puis j'en aurai fini. Préparer la rencontre annuelle avec les banques. Cette rencontre ne se fait pas, selon l'expérience de cet ancien banquier d'un certain niveau, avec le responsable de l'agence. Ce n'était pas du tout méprisant dans sa position. Simplement, le responsable de l'agence, selon lui, je crois qu'on est à peu près d'accord, il a un certain niveau d'intervention. Et puis après, il ne fait qu'être une courroie de transmission. Et il nous a dit, vous ne pouvez pas savoir comment un président de banque peut être intéressé par avoir échangé quelques mots avec vous sur une année, parce qu'il est passionné en plus par votre métier de l'automobile, qui occupe, selon les statistiques, un Français sur 10 dans notre pays. Et puis, vous lui apprendrez des choses et il vous en apprendra. Donc, demandez, il en sera ravi, un contact annuel avec un président de banque, ou un directeur d'exploitation, bon, bref, quelqu'un d'un peu plus haut qu'un simple, entre guillemets, responsable d'agence. Voilà, donc tout ceci, c'était le résultat de cette mission au forfait. Très bien, donc on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Merci d'avoir donné des chiffres, parce que je n'avais pas ces éléments, et c'est, je pense que c'est vraiment très bien pour illustrer le propos.
Alors effectivement, on devait aborder ce sujet juste avant, pour savoir, mais je pense que grande partie de la présentation a été faite, de votre côté, donc le CLI, spécialisé sur l'optimisation bancaire, que dire par rapport à l'intervention d'Alain Mounès? Merci déjà de ce témoignage, parce que ça montre que ça marche. Je voulais revenir sur le premier point quand vous dites au niveau global que vous vouliez pas accepter, vous acceptiez pas en fait des sociétés de conseil parce qu'il faut payer avant de voir. Dans notre métier, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que on audite et après on demande un règlement, mais qui est souvent un acompte et sur les économies réelles. Donc dans notre méthodologie, on vous présente la première étape, c'est une étape d'audit. Donc on va diagnostiquer votre poste. Une fois que vous avez validé, on va passer en étape 2. Une fois que vous avez validé, et là on va pas facturer. C'est qu'en deuxième étape, donc au niveau de l'étape en fait de recommandation. Où là, on va chercher en fait les leviers d'économie. Alors pas que sur le prix, hein, parce que c'est vrai que nous on travaille au niveau du conseil. Donc on va chercher au niveau de la politique d'achat aussi, du process, du produit, et on va vous présenter en fait des recommandations, plusieurs recommandations. Donc il y en aura une qui correspondra à vos critères de décision au départ, et après c'est à vous de choisir la recommandation qui vous convient et que vous souhaitez, quoi. Et donc là on va demander, c'est vrai, un acompte au niveau facturation, et après il y a une étape encore de mise en œuvre, et après il y a une étape d'accompagnement qui est de minimum de 24 mois, donc en fonction des catégories qui peut aller jusqu'à 48 mois, mais c'est pour bien montrer que les économies sont pérennes. Et là, on va travailler tous les trimestres, on va vous présenter tous les trimestres un rapport dans lequel il y aura une veille aussi du marché, il y aura traitement de vos nouvelles demandes et bien sûr les économies réelles. Et là, quand on va chiffrer vos économies réelles, c'est à ce moment-là qu'on va facturer pendant cette période sur la réalité des économies. Donc ça, c'est sur globalement. Au niveau de l'optimisation bancaire, donc c'est vrai que les coûts sont importants. On avait répertorié à peu près 200 coûts dans les banques. C'est très opaque parce que comme disait monsieur, il y a des coûts qui sont identiques, mais avec des intitulés différents en fonction des banques. Notre métier, c'est de pouvoir vous montrer une image claire de vos coûts en fonction des banques, et avoir une moyenne pondérée de chaque coût en fait que vous pouvez avoir. Et au niveau des financements. Donc de SCI entre autres et autres financements moyen long terme, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période où les réaménagements de dettes sont plutôt profitables pour les entreprises. Moi je travaille sur quelques dossiers, et là dernièrement j'ai un dossier où je travaille sur 20 millions de dettes à réaménager. Le taux apparent il est de 4,50, et on devrait pouvoir obtenir au maximum de 30-50. Donc sur 20 millions c'est quand même très 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 important pour l'entreprise. Nous, notre métier, en fait, on va faire un état des lieux de l'organisation bancaire, voir comment vous travaillez. On va tenir compte des contraintes de l'entreprise. Il y a un site historique, avec quelques banquiers. Il y a cette relation à titre personnel que vous pouvez avoir avec votre banque. On en tient compte. Donc, c'est vrai que quand votre société de conseil vous a dit est-ce qu'on travaille ensemble ou est-ce qu'on travaille seul, c'est une bonne façon de faire, quoi. C'est-à-dire que nous on n'est pas là pour dégrader la relation, quoi. Comme je dis, parfois je suis même facilitateur parce qu'il y a certaines banques qui sont à la traîne, et j'explique à l'entreprise comment on doit fonctionner avec la banque.
Et après, il y a les contraintes des banques. Vous avez tous entendu Bâle 3, les banques, à chaque fois, elles vous ressortent. Oui, on peut pas baisser les conditions parce qu'on a ces contraintes réglementaires, on est obligé de mettre des fonds propres à chaque fois qu'on prête. Oui, ils ont ces contraintes, mais on en tient compte et on fait pour que les banques aussi soient pas perdantes non plus, quoi. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est gagnant-gagnant entre l'entreprise, la banque et la société, et qu'il n'y ait pas de cassure dans la relation, quoi. Alors, on a abordé deux sources d'économie, la partie taxe foncière, la partie négocier avec son banquier, c'est plutôt les bonnes nouvelles. Bon, je pense qu'il y a d'autres négociations possibles. Je pense à l'optimisation peut-être du taux d'accident du travail. J'ai entendu parler d'optimisation sur les fiches de paie. Il y a souvent de grosses économies à récupérer sur vos fiches de paie. Est-ce que quelqu'un peut témoigner sur ce sujet, peut-être d'un point de vue juridique et après. Nous, on ne s'occupe pas de charges sociales, hein. D'accord. Ça, c'est des avocats spécialisés en droit social qui font ça. Ça semble proche comme sujet, mais c'est d'une complexité absolument redoutable. Et... Ouais, alors ouais, moi, je vais en parler parce que c'est vrai que dans le réseau, on a des spécialistes en charge sociale. Donc, il y a plusieurs types de charges, hein. C'est vrai qu'il y a monsieur a parlé de la charge Fillon, mais aujourd'hui, bon. Oui, réduction, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ben, il y en a de moins en moins de réduction Fillon. Les leviers sont, c'est vrai que au niveau des charges sont un peu moins importantes. Bon, il y a les charges sur les commerciaux. C'est vrai qu'on peut parfois on peut avoir des réductions au niveau des commerciaux que les entreprises n'ont pas. Ne connaissent pas. Après, tout ce qui est taux AT, là, on fait appel à chaque fois, un peu comme en fiscalité, on fait appel à un avocat en social. Pour quelle raison? Parce que c'est parfois il y a une action en fait juridique à faire, et parfois il peut avoir même une assignation pour pouvoir rabaisser ce taux d'accident du travail. Vous avez tous entendu parler peut-être de l'arrêté Alma, qui est un de nos concurrents, qui ne faisait pas intervenir d'avocats et qui ont été redressés à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est très 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 spécifique. On a les compétences dans le réseau et si il le faut, on fait intervenir aussi les avocats en charge sociale. Alors, j'avais prévu une petite question provocatrice, hein, que depuis hier, je vous ai dit que je serais un peu l'aiguillon. Alma, effectivement, il y a quelques ardoises, il y a quelques mauvaises informations. Vous faites un métier aujourd'hui qui fait peur. Alors, en quoi est-ce que vous êtes différent? Moi, j'ai entendu parler quand même de quelques concessionnaires qui se sont fait redresser ou qui ont fait des approches un peu trop violentes. Bon, la différence avec Alma, bon, je vais pas de toute façon jeter des pierres non plus à Alma parce que je connais pas plus que ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ont une approche un peu différente et peut-être une approche un peu plus agressive. Et derrière, ce sont des salariés et des salariés, souvent des jeunes salariés qui vont travailler sur les différents postes. Nous, on est déjà des entrepreneurs. Parce qu'on a chacun notre société et on est au capital. Notre société est au capital de Euclid Consulting. Et nous avons cette expérience, cette antériorité professionnelle. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé 20 ans dans la banque auprès de PME. Auprès de PME. D'ailleurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à un de mes anciens clients qui était une concession Peugeot en Aquitaine. Donc voilà. Donc la différence, c'est que voilà, dans d'autres postes, que ce soit les emballages, que ce soit dans les transports, nous avons travaillé, nous avons été des opérationnels en entreprise. Alors, peut-être on peut rajouter également, pour ce que j'en sais, que justement, cette structuration de Alma autour de jeunes salariés fait qu'ils vont quand même au plus vite sur la taxe foncière. On sait qu'ils s'occupent beaucoup plus du métrage, ce qui n'est pas un point inintéressant, hein,
mais ne rentre pas dans le détail de ce dont on a parlé tout à l'heure sur les comparables de la taxe foncière, sur les anciennes concessions, parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps d'aller chercher l'information, de la traiter, c'est très compliqué, et donc ils ne vont pas jusqu'au bout en général du dossier. En fait, ils ont des matrices, donc ils vont rentrer dans les cases, ils vont rentrer des chiffres, et c'est comme ça qu'ils vont essayer de trouver des économies, quoi. J'ajouterais deux choses, hein, en tant que, comment dirais-je, expérience vécue. Ces messieurs, en fait, au bout d'un moment, nous proposent d'agir ou pas, hein, sur le... Et on peut très bien décider... Moi, ça a été mon cas sur une de nos concessions ou sur la taxe foncière. On a dit stop, là, je pense qu'il y a trop de risques. Sur le social, on a fait vérifier leur rapport par nos avocats conseils en droit social qui ont, comment dirais-je, orienté notre position, hein, pour savoir on y va ou on n'y va pas, enfin, qui pèse le risque. Donc il faut effectivement faire la part des choses. Et je voudrais juste ajouter aussi quelque chose que je n'ai pas forcément dit tout à l'heure sur la façon de mettre en place ce genre d'opération dans nos affaires. On constate, comme d'habitude, une grande résistance au changement de nos équipes. Quand les gens de CLI, en l'occurrence, sont venus chez nous, ils font une étude complète d'un dossier, que ce soit du transport, des petites fournitures, de tout ce qu'on veut, ou du social. Et ça demande l'implication de nos services comptables ou de nos chefs de service en général, qui est importante. Quoi. Il y a beaucoup de temps à passer pour ressortir un tas de factures sur quelques années, peut-être temps d'évolution, etc. Enfin, il y a un investissement temps, hein, qui est important. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis convaincu, hein, il faut être très humble sur le sujet, parce qu'on ne maîtrise pas tout, donc il faut être persuadé qu'il y a des choses à gratter partout. Mais c'est une vraie, comment dirais-je, une vraie mission. Hein, il faut faire passer les choses, il faut convaincre nos propres troupes de l'intérêt du truc, sachant qu'ils ont toujours l'impression, comme nous-mêmes souvent, qu'ils font les choses parfaitement. Nous concernant, nous avons eu contrôle fiscaux, contrôle URSSAF sur deux filles et la holding. Sont-ils dus à la mission que nous avions lancée? Je suis foutu de vous le dire. Est-ce qu'ils se sont bien passés? Ils sont passés normalement. A été repris, redressé, ce qui devait l'être. Je vous invite à ne pas avoir ce frein-là, à moins que vous ne soyez pas du tout sûr de la probité de vos comptes et des comportements dans ce registre-là. Donc, à mon avis, il ne faut pas du tout que ce soit un frein. Je voudrais rajouter que sur le profil des intervenants du cabinet auquel nous avons fait appel, ce sont des anciennes de l'administration fiscale ou de l'URSSAF et aussi des fonctionnaires détachés qui travaillent dans ce type de cabinet. Dernière chose, ils se sont comportés de façon tout à fait correcte, sans être agressifs. Et puis, ils nous tenaient au courant régulièrement de leur avancée, de nous dire s'il fallait appuyer un petit peu plus sur le curseur ou s'il fallait lever le pied. Et donc, c'était quelque chose qui était très interactif tout au long des missions que nous avons menées. Juste un petit mot sur le risque de contrôle fiscal. Je ne veux pas vous dire que ça n'existe pas, puisque j'en gère tous les jours. Pour autant, dans les 15 dernières années de mon expérience, je n'ai jamais vu de contrôle fiscaux diligenté à la suite d'une réclamation de taxe foncière. Ça, c'est le premier élément. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Hein. Enfin, je ne l'ai jamais vu. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que quand vous faites une réclamation sur la valeur locative en taxe foncière, vous allez à un centre des impôts particulier, qui est le centre des impôts fonciers, alors que votre dossier est traité par le service des impôts des entreprises. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de lien entre eux, mais enfin, chacun fait son boulot dans son coin. Et donc, le centre des impôts fonciers, lui, il va prendre votre réclamation. Il va peut-être s'interroger sur est-ce que vous avez bien tout déclaré, les mètres carrés dont on parlait tout à l'heure. Et là, effectivement, il y a une question à se poser avant d'y aller. Mais le centre des impôts fonciers va rarement décrocher son téléphone pour appeler, pour d'abord chercher la personne qui gère votre dossier au service des impôts des entreprises, pour lui dire
il m'embête, fais-lui un contrôle fiscal. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, donc le risque de contrôle fiscal, il est, dans ce cadre-là, relativement limité. Je voulais revenir sur l'investissement de temps des collaborateurs. C'est vrai que sur la première partie, la partie d'audit, où on collecte les informations, donc cette facture, contrat, compte comptable, entretien avec les responsables, on demande beaucoup à l'entreprise à ce moment-là. Après, c'est à la livraison des livrables où il y a une étude. Et pendant la période en fait, d'accompagnement, on est là aussi pour transférer en fait, nos compétences aux collaborateurs pour que derrière, ils puissent travailler de la façon à laquelle nous, on travaille. Quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi important d'avoir cette formation et de pouvoir travailler en collaboration avec les salariés. Quoi. Merci. Alors, il va y avoir un intervenant de plus à cette conférence qui a raté son avion, qui devait faire un focus sur la TASCOM. Je sais que vous connaissez le sujet aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux façons d'aborder ce sujet. Une simplement juridique, parce qu'il a fait une petite étude, je lui ai simplement communiqué, 75 SIRET de l'ADR de, je ne sais plus, c'est Nancy maintenant. Je crois qu'il y a possibilité simplement, par rapport à une approche juridique sur un numéro de SIRET, d'exonérer. Et le résultat, il m'a dit, il y a 8 sites qui peuvent être exonérés simplement de TASCOM. Donc, est-ce que c'est des sujets, vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que là aussi, je crois que c'est un sujet qui vous gêne un peu depuis quelques années. Oui. Alors, y a, dans la TASCOM, il y a quand même des systèmes anti-abus, justement. Donc, effectivement, certains ont, dans un premier temps, essayé de diviser les surfaces. Hein, en principe, c'est plus de 400 mètres carrés, sauf si vous êtes un groupe, en gros, si je résume, et que vous avez plus de 4000 mètres carrés. Donc, dans un premier temps, effectivement, on avait essayé de répartir ça et de faire des surfaces de moins de 400 mètres carrés dans des structures différentes, des structures juridiques différentes, pour pas que ça n'apparaisse. Après, toute la question, en fait, est de savoir comment les sociétés différentes sont liées entre elles par le biais de participation. Donc là, effectivement, on peut travailler là-dessus. La question est-ce que le jeu en vaut de la chandelle? Voilà, c'est toujours la question. Donc il faut quand même des tasques relativement importantes pour se pencher sur ce type de sujet. Sachant que vous avez cette réduction dans les concessions automobiles parce qu'on considère que la surface est anormalement élevée, c'est ce que dit le texte. Hein, quand on vend des voitures, les surfaces développées sont anormalement élevées, donc vous avez une réduction de 30%. Mais peut-être entendait-il le code APE lié au numéro SIRET pour effectivement pouvoir bénéficier de cette réduction de 30%. Même d'exonération complète. Voilà, voire d'exonération complète, ça peut arriver. Mais la question, bon, la TASCOM, elle peut faire des montants. Par rapport à la taxe foncière, c'est quand même moindre. Et donc, la question est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Ça fait partie des points qu'on étudie et sur lesquels on peut proposer des solutions. Et effectivement, on travaille pour le coup en collaboration, bien sûr, avec le chef d'entreprise pour dire, il y a deux, trois solutions. Voilà comment on pourrait réduire la taxe. Voilà le quota de réduction. Par contre, il faudrait mettre en œuvre ceci, ceci et cela. Est-ce que c'est trop lourd ou pas assez, ou est-ce que c'est acceptable pour vous? C'est ça la question que doit à ce moment-là trancher le chef d'entreprise avant qu'on mette en œuvre notre solution. D'accord. Alors, bon, on va arriver à la fin de ce débat. Alors, on envisage évidemment une collaboration, d'essayer d'apporter quelque chose au niveau national, au réseau. Donc, il y a une première piste, ce serait d'imaginer une première visioconférence avec Vodaf sur la partie réduction des frais bancaires, par exemple. Mais je vais être un peu piquant. À nouveau, quand j'ai préparé la conférence, un conseiller qui m'a dit « Ah oui, je les connais, je les ai eus en face de moi. » En face de moi, sur la gestion de flotte de véhicules. Donc Alain, ça peut nous dire deux mots. Parce que est-ce qu'un partenariat, ce n'est pas aussi nous aider à répondre aux appels d'offres des flottes de véhicules? Alors, nous traitons un client qui s'appelle Iri Jardin et qui a des points de vente aux quatre coins de l'Hexagone. Et nous les traitions directement jusqu'au jour où, il y a un mois de ça, on a reçu un magnifique appel d'offres avec les lettres Euclide en tête. Bon, donc, mon directeur commercial est venu me dire, tiens, c'est nouveau, ça a changé chez eux. Et puis il a travaillé dessus, sur cet appel d'offres, il a travaillé longtemps, il s'est fait aider. Et c'était un appel d'offres qui était extrêmement détaillé,
extrêmement détaillé. Et sa réaction à la fin, c'était bon, on va le jouer, parce qu'on ne veut pas perdre ce client. Heureusement, il a pu avoir au téléphone l'interlocuteur, Thierry Jardin, qui lui a dit, écoutez, effectivement, on est parti sur cette démarche-là. Avancez, répondez, après, mon téléphone vous est toujours ouvert. Et selon ses propos, c'était un appel d'offres qui était extrêmement détaillé. Et il m'a dit, ces gens-là doivent savoir ce que c'est qu'une auto, mais finalement, pas trop. Alors bon, ce n'est pas un constat critique, hein, c'est simplement un constat tout court. Bon, changement, je ne sais pas où ça en est, on n'a pas encore le résultat. Mais c'est vrai qu'effectivement, que le canevas était extrêmement fouillé, quoi. Et ça pouvait peut-être décourager certains qui disaient, bon, on va y passer du temps, c'est... Voilà. Mais je ne connais pas la suite. Bah, si le canevas est fouillé, c'est qu'il y a eu un cahier des charges en fait, qui a été défini entre l'entreprise et Euclide. Avec une carte policy peut-être qui est assez détaillée, quoi. Donc c'est vrai que derrière, on essaye d'aller plus dans le détail pour pouvoir après répondre aussi aux clients. Mais la solution, donc c'est vrai qu'on en avait parlé avec Didier, c'est éventuellement de pouvoir aussi former les concessions à répondre peut-être sur des appels d'offres, Euclide. Pour y répondre après favorablement. Quoi. Et concernant Thierry Jardin, je fais la partie bancaire. Bon, on a terminé sur un petit clin d'œil qui est par contre la vraie problématique des hauts métiers. Et je remercie les intervenants de la hauteur du débat. Merci beaucoup. Et on va passer à la deuxième conférence. Merci.